Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. On joint tout de suite Yasmine Abdel Fadel dans les studios de Cube Radio. Bonjour Yasmine. Bonjour Sylvain. Alors le groupe Juste pour rire, fortement endetté, annule son festival cet été. C'est une institution là, qui est en train de mourir. C'est une importante institution culturelle montréalaise qui nous a propulsé puis propulsé nos artistes d'ici à l'international. Des festivals francophones, d'humour francophone, là, à travers le monde, il n'y en a pas tant que ça qui ont l'envergure du Festival Juste pour rire. Tu sais, il y a Montreux en Suisse, il y a le festival le Marrakech du rire au Maroc. Il n'y en a pas tant que ça des gros festivals qui rassemblent les comédiens, en fait, les humoristes de partout dans le monde. Et je trouve ça bien dommage que de voir le festival Juste pour rire, c'est cette institution montréalaise qui, finalement, on a un peu pris pour acquise au fil des ans, ben finalement, dire qu'il faut qu'elle se mette à l'abri de ses créanciers. Est-ce qu'on va attendre de voir toutes nos institutions culturelles montréalaises tomber au combat avant qu'on se dise, ben là, va falloir que les bottines suivent les babines en matière de culture. Là. Si on dit que la culture et la langue sont notre identité, font partie de notre ADN, là, il ne faut pas juste le dire, il faut l'incarner, il faut les soutenir, il faut s'assurer qu'ils puissent continuer à faire notre fierté. Moi, je pense également, aujourd'hui, on pense évidemment aux employés du festival Juste pour rire, mais je pense également aux employés de tous ceux et celles qui vivent autour de ce festival. Tu sais, à Place des Arts, les restaurants autour là, qui vivent au rythme du festival Juste pour rire, notamment de ces spectacles-là qui ont prévu finalement des recettes durant cet été et finalement qui vont... Tout ça tombe à l'eau aujourd'hui. Je pense que c'est important de soutenir notre culture puis la soutenir réellement. Puis tu sais quoi? L'humour, là, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre identité. On est bon en humour francophone, on propulse des artistes. C'est important de continuer à leur offrir une scène internationale comme celle du Festival Juste pour rire. Faudrait que les gouvernements donc en mettent davantage pour aider ce festival-là? Je sais pas si c'est... moi, je ne crois pas nécessairement en l'intervention de l'État avec les gros sous puis envoyer des chèques, mais on ne peut pas se permettre de laisser finalement une institution que l'on connaissait en difficulté depuis plusieurs mois, voire même depuis la pandémie, continuer à essayer de s'en sortir toute seule sans venir apporter des leviers de croissance, des leviers pour l'aider. Pas nécessairement faire un chèque, mais il y a des moyens de pouvoir restructurer certaines aides de manière à leur donner un souffle qu'ils ne puissent pas se rendre à cette situation-là. Mais si on arrive toujours trop tard puis qu'on est acculé au pied du mur, ben c'est sûr que dans ce temps-là, ben la seule chose dont on a besoin, c'est un chèque. Mais on n'est pas obligé de se rendre là continuellement avant de commencer à agir. Si on considère que le festival Juste pour rire est important pour Montréal, on n'attend pas qu'il soit à terre pour le relever. Mmh. On l'aide à être toujours debout. Un autre dossier qui est préoccupant, c'est celui de l'immigration. Il y a une rencontre prévue finalement le 15 mars entre Justin Trudeau et François Legault. Enfin, ils vont se parler, puis ils vont arrêter de finalement s'interpeller par ministre interposé avec des points de presse, puis des scrums où chacun on voit l'autre paître de manière très diplomatique. Là, on a vu les ministres sortir sur les demandeurs d'asile il y a à peu près 10 jours, les 4 ministres québécois pour dire au fédéral de prendre ses responsabilités. On a vu Mark Miller sortir hier, puis servir la même médecine au provincial en matière de regroupement familial. J'ai l'impression qu'ils sont en chicane, mais entre-temps, on a oublié qu'on parle de vrais mondes, de vrais humains qui attendent des vraies affaires pour faire leur vie. Je suis bien contente que les deux boss, les deux patrons, M. Legault, M. Trudeau, vont se rencontrer, là, puis qu'ils vont régler ça une fois pour toutes. Demandeurs d'asile, fédéral, envoyez-nous notre chèque. On l'attend et on l'attend avec impatience. Regroupement familial, Québec, arrêtez d'octroyer des CSQ si vous n'êtes pas capable de les recevoir. Tu sais, il y a des affaires qui doivent être dites dans le blanc des yeux, là, devant quatre yeux, puis j'espère que le 15 mars, ils vont sortir, puis ils vont dire « on a une entente », puis on se rappelle, ça nous a permis de nous rappeler qu'il s'agit ici d'êtres humains, de vie humaine, qu'on ne peut varloper comme ça à gauche et à droite pour des tactiques politiciennes. Yasmine Abdel Fadel, merci beaucoup.